c'est un début. J'ai bien aimé l'invocation de Guy Debord. Il faut créer des situations pour qu'on change la ville. On va dire que celle-là, c'est une situation de départ. Je pense qu'il faut qu'on la secoue. Qu'on ait autre chose peut-être que du jazz en fond sonore. Qu'on invite plus de monde. Voilà. En tout cas, je pensais bien qu'on ait un point d'impulsion. On a vraiment besoin d'aller irriguer et se faire irriguer par la ville si on veut faire changer les choses. Les priorités, c'est de faire rentrer dans le processus de la construction de la ville tout le monde. Donc tout le monde, c'est monsieur tout le monde, mais c'est aussi pas la version moyenne qu'on a, la représentation de l'habitant, mais toute la diversité de la ville. Et ça, c'est très compliqué parce que la fabrication de la ville, jusqu'à présent, c'est une question d'experts. La priorité pour moi, c'est ça, si on veut que les choses se décoincent sur la transition énergétique, l'innovation sociale, voilà. Et l'idée qu'on porte sur la question des données, c'est bien de réapproprier une question qui devient stratégique, économiquement, politiquement et en termes d'innovation. Et ben, il faut que cette démarche-là elle puisse être reproductible sur tous les sujets de la ville. Donc je dirais que la priorité, elle est transverse, c'est comment faire rentrer tout à chacun donc en gros comment les usages viennent fabriquer la ville quoi, et pas l'inverse. Une des démarches qu'on a, c'est d'essayer d'ouvrir, alors on a employé le terme d'écosystème tout à l'heure, mais mobiliser les écosystèmes pour qu'il y ait des projets qui sortent à plusieurs. Et je pense que ça c'est aussi un des enjeux, c'est pas la conjonction de projets des uns et des autres. Eh bien, comment on fait qu'il y ait des projets collectifs qui sortent. Et pour ça, le numérique, c'est un super outil. Voilà.